Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une autre astuce sur Excel, c'est comment protéger ces formules dans un fichier. Donc ici un tableau, ici donc ce sont des chiffres, ici, et ici le total et ici la moyenne. Donc ici dans ces deux colonnes se trouvent des formules. On veut donc protéger ces formules. Ok, donc dans un premier temps on va faire exemple ici pour une formule. Juste pour tester, c'est donc ici plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Ok, donc pour protéger ces formules, on y va directement. On sélectionne ici. Ok, voilà ici, entre dans l'onglet ici entre 1 et A. Je clique par la droite, format. Ici, je vais aux protections et je décoche ici. Par défaut, on trouve toujours. Ici, cocher. Donc, on va décocher ici. OK. Ensuite, on va toujours sélectionner toute la feuille parce qu'on veut que toutes les formules de la feuille soient concernées. Donc, je clique ici. J'appuie sur F5. C'est intéressant. Je clique sur cellule. Donc, ces formules. Donc, je vais sélectionner les formules. Je coche ici et je mets OK. Donc, toutes les formules qui se trouvent dans cette page sont sélectionnées. Toujours avec la droite, ici, je clique par la droite, format, ici je coche, verrouille, et je mets OK. C'est pas terminé. Ensuite, je vais à révision, protéger la feuille, et je mets mon mot de passe ici. Alors, toutes les formules maintenant sont protégées. Je vais donc supprimer ici. On ne peut pas. Ici, on ne peut pas. Et mais ici, on ne peut pas. Mais ici, on peut supprimer. On peut faire ce qu'on veut ici. Mais les formules sont protégées. OK? Et comme ça, mes formules sont protégées. OK? À la prochaine donc.